Alors, le think tank, en fait, c'est un peu un remue-ménage, un jus de cerveau qu'on a voulu organiser avec nos clients, avec certains de nos clients en tous les cas, pour créer un petit club VIP, leur permettre de se mettre un peu au vert pendant une journée, de réceptionner de l'information sur la communication en règle générale, et puis surtout aussi de faire connaissance parce qu'ils n'ont aucune occasion dans l'année de se rencontrer. On s'est aperçu en discutant avec chacun qu'en fait, ils étaient souvent isolés dans leurs fonctions au sein de leur structure, que ce soit associatif, sanitaire, monde de l'entreprise, etc. Et en fait, c'est vraiment une possibilité pour eux de rencontrer des gens dans des milieux totalement différents, mais finalement de se rendre compte que toutes les problématiques, quel que soit le domaine d'activité, sont vraiment identiques. Alors le matin, on a souhaité donner vraiment un aspect très, comment dirais-je, conférencier à cette journée. Pour que les gens aient aussi accès à une information qui est vraiment beaucoup plus globale. On a fait intervenir Sylvain Vacarès, donc, qui est maître de conférence, et qui lui est intervenu vraiment sur tous les nouveaux schémas de la communication en règle générale, avec évidemment beaucoup d'impact sur notre quotidien, avec les nouveaux médias que sont Internet, le digital, les réseaux sociaux, etc. Donc lui nous a vraiment parlé de tout cela dans notre quotidien d'une façon très très généraliste. Et ensuite, on a fait un petit focus sur justement le fait qu'il faille vraiment prendre en compte, nous aussi en termes de communication et dans nos structures, ces nouveaux aspects pour pouvoir imaginer des outils qui soient adaptés aux nouveaux modes de fonctionnement des gens, qu'ils soient adultes, ados, enfants, en fonction des personnes qu'on a à toucher avec nos communications. Alors aujourd'hui, je suis venu parler de l'impact des nouvelles technologies, et notamment des nouvelles technologies informatiques, hein, tout ce qui est numérique, dans la stratégie de communication que doivent mettre en œuvre les entreprises ou les administrations, les organisations, même les associations, et de voir un petit peu en quoi ça impactait et ça nécessitait d'être plus fin dans la répartition. Du couple entre le message finalement et le média et la variété des médias, des usages, etc. Et comment en fait s'approprier ça, comment l'intégrer dans sa stratégie de communication. Moi je pense que, enfin en tous les cas, ce que j'ai essayé de faire et un petit peu par les échos que j'ai pu avoir après auprès des participants, je pense que l'idée c'était de prendre un petit moment pour faire un peu le point en fait sur ces éléments-là. Je pense que dans tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens savaient ou qu'ils avaient expérimentées par eux-mêmes, soit dans leur vie privée, soit dans leur vie professionnelle, soit dans les deux. Et en même temps, on est un peu, comment dirais-je, bombardé par ces différents éléments. C'est-à-dire que, bien sûr, on a un smartphone, mais qui s'interroge sur finalement le pouvoir de ce smartphone? C'est un outil, on travaille avec. On téléphone à ses amis, à sa famille avec, etc. On envoie des SMS, on se fait des photos, on réfléchit pas plus que ça à ça. L'idée, c'était de dire, voilà, si on essaie de prendre les choses un peu globalement, si on essaie de voir un peu dans quelle ampleur de phénomène on se trouve et puis qu'on ressente sur le métier de la communication, qu'est-ce qu'on voit si on se met dans cette perspective-là, un petit peu d'entonnoir, là, comme ça. Donc l'idée, c'était prendre un temps en fait pour voilà, passer 2 heures en fait pour discuter de ça, essayer d'avoir un discours un peu construit en fait là-dessus, dont l'objectif est de nourrir la réflexion, de laisser les gens digérer, débattre et puis on verra bien. Je pense que c'était ça l'ambition. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'occasions finalement. On travaille, on a notre vie, on n'a pas le temps de prendre ce recul-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui présentent les choses comme ça aussi. Voilà, je pense que c'était un petit peu ça l'ambition. J'ai l'impression que ça a été perçu globalement comme ça aussi, hein, par les gens avec qui j'ai pu discuter. Donc je pense que si ça s'est réussi, l'objectif est atteint. Alors le midi, on a souhaité donner une part assez importante à ce moment de convivialité parce qu'en fait, un des objectifs, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment de mettre en relation nos clients pour qu'ils puissent échanger, se créer un petit réseau, pourquoi pas s'appeler aussi indépendamment s'ils ont besoin au cours de l'année. Donc on souhaitait vraiment que ce moment, ils puissent se rencontrer tout simplement. Donc on a fait un format assez long sur l'heure de la pause déjeuner pour qu'ils puissent échanger, se parler de leurs différentes problématiques, de leur structure, etc. Et puis, comme je disais, se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout isolés. Souvent, ils partagent les mêmes problématiques dans leur quotidien, dans leur travail.
Alors l'après-midi, on a souhaité faire participer, en fait, et très en amont, au moment où on a réfléchi à notre think tank, un de nos clients. Donc on a sollicité Anne Le Floch, qui est responsable de la communication au sein du groupe Kiseo, du groupe Transdev, pour qu'elle puisse effectivement nous montrer, en fait, comment elle a fait évoluer au cours de ces dernières années toute sa stratégie de communication. C'était un exemple assez complet, en fait, puisqu'ils ont vraiment opéré une mutation très très importante dans la façon de traiter l'information, les supports, la diversification de leurs outils, et surtout un repositionnement complet vers une stratégie beaucoup plus commerciale, beaucoup plus offensive par rapport à leurs clients et par rapport aux personnes qui utilisent effectivement les bus, en parlant notamment de mobilité en règle générale. Donc elle a fait ça avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de pragmatisme, de façon très très simple aussi pour la compréhension de chacun. Et en fait, je crois que chacun s'est vraiment retrouvé dans les exemples qu'elle a donnés, dans la façon dont elle a pu présenter toute cette expérience qu'elle a vécue au fil des années dans ces différents supports. Oui, alors c'était une première. Ceci dit, ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit, mais c'est bien connu, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc on a mis énormément de temps à le mettre en place. On aurait peut-être dû prendre une société extérieure pour nous aider, hein, une agence de com bien réputée. Donc en fait, effectivement, c'est un projet qui a mûri longuement. Il y avait un peu de stress pour cette première édition parce que c'est jamais évident de se lancer. Je pense que tout le monde était vraiment ravi de la journée qu'on a passée. Il y a effectivement l'envie de faire perdurer cette expérience-là, de la renouveler à minima une fois par an, et sur un format, encore une fois, où on ne sera pas très nombreux, en fait. Le principe, c'est vraiment de créer ce petit club VIP. C'est pas d'en faire une grand-messe où on aura 50 personnes. C'est vraiment de pouvoir avoir ce moment de proximité, de convivialité, et pourquoi pas une à deux fois par an, effectivement, pour se créer ce petit club VIP avec nos clients.